إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au cinquième chapitre dans certaines éditions, le sixième chapitre de l'explication du livre du Tawhid. Le nom de ce chapitre, c'est l'explication du Tawhid et de l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Alors il faut savoir que ce chapitre, en fait, c'est comme une introduction générale à tout ce qui va être détaillé à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après avoir parlé de l'objectif de la création des hommes et des djinns, après avoir parlé de la vertu et de la grande valeur du mérite du tawhid, et des péchés qu'il permet d'expier, puis il a parlé de la grande récompense de celui qui réalise complètement le tawhid et qu'il entrera au paradis sans jugement, puis il a énoncé, rahimahullah, le fait de craindre le polythéisme qui est le contraire du tawhid ou ce qui annule le tawhid, puis le fait d'inviter les gens au tawhid et à l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc tout ceci était comme un prologue et une grande importance pour pouvoir expliquer le sens du tawhid. Quel est le sens du tawhid? Et le sens d'une chose, on peut la connaître en la détaillant, puis aussi en détaillant son opposé, son contraire. Quand par exemple on va dire « que veut dire chaud ?» Nous allons dire « c'est le contraire de froid ».« Que veut dire loin ?» C'est le contraire de proche. Donc, on peut définir une chose en expliquant ses limites et aussi, pour que ce soit bien clair, en exprimant son contraire. En exprimant son contraire. Donc nous allons voir dans ce chapitre qu'en réalité, personne ne peut prétendre réaliser le tawhid et avoir le tawhid sans renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sans rejeter tout ce qui est contraire au tawhid. Donc ici, il fait un prologue à cela, puis tous les chapitres qui vont venir après dans le livre jusqu'à la fin, en fait, ça va être une explication du tawhid et une explication de son contraire, c'est-à-dire du shirk. Et aussi d'autres détails, comme le fait que il va y avoir une clarification de ce qui est contraire au fondement du tawhid, de ce qui diminue sa perfection. Il va être clarifié dans les prochains chapitres. Le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, le polythéisme caché, le polythéisme qui est lié aux paroles, aux propos. Une clarification concernant les implications du tawhid. Le tawhid dans l'adoration, le fait qu'il se manifeste par la reconnaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que ce que comporte le tawhid dans l'adoration comme reconnaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci, tous ces points-ci vont être abordés et traités dans les différents chapitres, tous les chapitres restants de Kitab al-Tawhid en détail. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala.
Donc ici, le cheikh énonce d'abord, pour montrer donc le contraire du tawhid, qui est le shirk, il énonce la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Isra, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. Donc habituellement, on explique chaque verset l'un après l'autre, puis on lit les leçons à retenir du cheikh. Mais dans ce chapitre, le cheikh n'a pas agi comme d'habitude. Il a énoncé les versets et un hadith, puis lui-même, il a donné une explication à cela. Donc nous allons d'abord lire les versets et le hadith, puis quand nous allons lire l'explication du cheikh, nous pourrons y ajouter des annotations, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a cité en premier lieu ce verset, et il a dit en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Et il a dit aussi, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Mariam. Je vois que dans certaines traductions, ils ont traduit par le Christ. Ça, c'est une grave erreur de traduire par le Christ. Il dit encore, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Dans le recueil de hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ici quand il a dit dans le sahih, il ne vise pas le sahih de Bukhari mais le sahih de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés et son jugement incombe à Allah. Puis le cheikh a dit, l'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants. L'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants, comme nous l'avons dit en introduction, que dans tous les chapitres suivants, il va y avoir l'explication détaillée du tawhid. Premièrement, le nom du chapitre, l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom de ce chapitre, quand le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a dit le tawhid est de l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Ici, ce n'est pas un synonyme total. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, c'est une partie du tawhid. L'attestation. C'est une partie du tawhid et non pas son sens entier, comme nous allons le voir dans l'explication même du Cheikh Rahimahullah. Puis le Cheikh Rahimahullah a lui-même donner une explication pour cette fois. D'habitude, il ne cite que les points à retenir. Il a dit, ce chapitre comporte le plus grand et le plus important des concepts, à savoir l'explication du tawhid et de l'attestation de foi. Ces deux choses ont été explicitées au moyen d'éléments clairs, dont le verset de la sourate Al-Isra, où est expliquée la réponse aux polythéistes qui invoque les hommes pieux, il y est démontré que cela n'est autre que du polythéisme majeur. Donc là, il parle du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبَ. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire les hommes pieux que les gens invoquent en dehors d'Allah, eux-mêmes, ils cherchent le moyen, الْوَسِيلَة. Je vais expliquer le mot wasila, inshallah. À qui se rapprochera le plus de son Seigneur? Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et ils craignent son châtiment. Donc, comment eux ils peuvent adorer des hommes qui eux-mêmes sont en train de se concurrencer et chercher tous les moyens pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les moyens légiférés, légaux, comme il a été expliqué par Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah ibn Al-Qayyim, al-wasila, c'est التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. S'approcher d'Allah سبحانه وتعالى par son adoration.
par ce qu'il a légiféré. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, El Wasila, c'est tout ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte obligatoire et recommandé. Et ce n'est pas parce que quelqu'un appelle un acte illicite d'un nom qui est dans le Coran qu'il devient licite. Le nom ne suffit pas. Il faut que la réalité de cet acte soit agréée par Allah. Par exemple, ceux qui aujourd'hui invoquent les morts en dehors d'Allah, invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, les prophètes, les anges, ils disent ça c'est al-wasila. Donc ils lui ont donné un nom qui est dans le Coran. Et après ils disent, oui mais c'est prouvé dans le Coran qu'on peut faire ça. Mais est-ce que quand Allah il dit al-wasila dans le Coran, ça veut dire d'invoquer les morts? Non, al-wasila ça veut dire les moyens légiférés, c'est-à-dire tout ce qui a été légiféré dans le Coran et la Sunna. Donc eux ils ont trompé Shaitan. Pour égarer les gens, les shayatines hommes, ils ont appelé l'adoration des tombes et l'adoration des saints al-wasila. C'est comme si moi je disais aujourd'hui qu'Allah m'en préserve, c'est pas moi. Comme si un shaytan aujourd'hui dirait adorer les saints, c'est du tawhid. On va faire du tawhid aujourd'hui. J'ai beau l'appeler tawhid, ça ne change pas de sa réalité, qui est le contraire du tawhid, qui est du shirk. Donc ils ont trompé bon nombre de gens en donnant ce nom. Et après, les ignorants, ils disent, oui, mais l'wasila, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit qu'Allah, il dit, les gens pieux cherchent l'wasila pour s'approcher d'Allah. Mais que veut dire l'wasila dans le Coran? Que veut dire l'wasila dans le langage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez les savants, chez les sahaba? Est-ce que ça veut dire l'wasila, ce que vous vous appelez? Non, ce que vous vous pratiquez, c'est le contraire de l'wasila qui est cité dans le Coran. Ce sont des actes interdits, et ce sont les plus grands interdits, car c'est le shirk. C'est le polythéisme majeur. Donc, al-wasila, ici, qui est cité dans ce verset, cela veut dire simplement s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala par son obéissance. C'est-à-dire qu'ils font des efforts et ils prennent leurs adorations et leurs obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala comme une cause, comme un moyen par lequel ils s'approchent d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils gagnent son agrément et il s'éloigne de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, le cheikh, rahimahullah, montre un des points contradictoires au tawhid, qui est l'invocation des gens, des anges, des pieux, de tout autre en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit, cheikh l'islam, Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, le verset de la sourate, Bara'a, c'est-à-dire Tawba, où il est expliqué que les gens du livre ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. Il y est aussi mentionné qu'il leur avait été ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. Pourtant, le verset « ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah » signifie clairement qu'ils ont obéi aux savants et aux dévots en désobéissant à Allah, et non pas qu'ils les ont invoqués. Donc ici, le cheikh montre une autre sorte et un autre type d'acte qui contredit le tawhid. Quel est cet autre type d'acte qui contredit le tawhid? L'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a expliqué les deux catégories d'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah. La première catégorie, c'est celle qui est citée dans ce verset. C'est celle qui fait sortir de l'islam, celle qui est du kufr. C'est le fait d'obéir à quelqu'un qui nous rend licite quelque chose qu'Allah a rendu illicite, tout en sachant cela. Et tout en croyant qu'il est permis de faire cela. En ayant la conviction certaine que cette chose, elle est illicite, mais on répète bêtement, en suivant aveuglément, la personne qui dit que c'est licite. Comme les chrétiens, les juifs ou les faux savants de l'islam qui autorisent d'adorer les morts, par exemple, d'invoquer les saints. La personne, il sait que ceci ne fait pas partie de la religion d'Allah, est contradictoire à la religion d'Allah. Il le fait, mais peut-être même d'autres actes qui ne sont pas du shirk en eux-mêmes. Par exemple, le fait de boire de l'alcool. Boire de l'alcool simplement ne fait pas de quelqu'un un kafir, c'est un pécheur. Par contre, s'il le rend licite, il dit c'est licite de boire de l'alcool. Dans ce cas-là, il devient mécréant, car il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. De même, s'il obéit à un savant, un faux savant, à un dévot, qui lui dit il est licite de boire de l'alcool,
ou bien qui lui dit « Il ne fait pas partie de l'islam qu'une femme porte le hijab » ou bien qui lui dit « Arriba, c'est halal, l'usure, le prêt usuraire, c'est licite. » Cette personne, s'il sait que ce faux savant l'appelle et lui demande de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, et qu'il croit et qu'il sait fermement dans son cœur que ceci est contradictoire à la religion d'Allah, mais lui, il agrée quand même cela, et il lui obéit en cela, et il rend licite comme lui ce qu'Allah a rendu illicite, alors il devient mécréant, et il l'aura pris en divinité et en seigneur en dehors d'Allah. Donc ça, c'est cette catégorie, la première catégorie, l'obéissance qui rend mécréant. C'est celle qui est jointe au fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Par contre, si la personne obéit à une personne quiconque dans la désobéissance d'Allah, tout en sachant que ce qu'il fait est un péché et en reconnaissant que c'est un péché, alors ceci ne fait pas de lui un mécréant, mais ceci fait de lui un pécheur. Sauf s'il lui obéit dans le fait de se prosterner devant une statue ou autre. Ça, c'est l'acte lui-même qui va le rendre mécréant et non pas son obéissance. Non. Ce chapitre, il sera traité en détail, inshallah, dans un chapitre qui lui est dédié. Ce verset, il a un chapitre qui lui est dédié. On en parlera, inshallah, plus en détail. Et ici, quand Allah, tabaraka ta'ala, dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Car ici, il a parlé des juifs et des chrétiens, mais ce n'est pas propre à eux. Ceci est général. Et, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. L'ahbar, c'est les rabbins ou bien les savants. Et ar-ruhban, ce sont les dévots. Donc c'est plus général. Toute personne qui prend un savant en divinité en dehors d'Allah, ou un dévot, un ascète en divinité en dehors d'Allah, en lui obéissant quand celui-ci rend licite l'illicite, ou rend illicite le licite, tout en sachant que c'est contradictoire à la religion d'Allah, lui il le suit et avec lui il rend illicite le licite, et licite l'illicite, alors il l'aura pris en divinité en dehors d'Allah, même s'il ne l'invoque pas, même s'il ne se prosterne pas devant lui, même s'il n'égorge pas pour lui, la simple obéissance en même temps avec la croyance qu'il contredit la religion d'Allah et en rendant licite comme lui ce qu'Allah a rendu illicite, c'est suffisant pour le rendre mécréant. Puis le cheikh dit, les propos tenus par l'ami proche d'Allah, Ibrahim, alayhi salam, au mécréant, quand il a dit, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Il dit, de tous les êtres adorés, il a donc exclu son Seigneur, et Allahu Azza wa Jal a mentionné le fait que ce désaveu et cette alliance n'est rien de plus que l'explication de l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, en disant وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Donc dans ce verset, Ibrahim, alayhi salat wa salam, il a en fait donner l'explication de la ilaha illallah, qui est composée de deux parties. An-nafyu wal-ithbat. La négation et l'affirmation. Le fait de nier toute divinité qui est adorée en dehors d'Allah. Et le fait d'affirmer que le seul qui mérite l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est exactement ce sens-là. Quand il l'a dit, alayhi salatu wassalam, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, ça c'est le même sens de la ilaha, à l'exception de celui qui m'a créé, c'est le même sens de illallah, illallah. Donc, ces deux versets, ils viennent dans le sens de la ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis le cheikh cite le verset de la sourate al-Baqarah concernant les mécréants au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » Allah a mentionné que ces mécréants éprouvent pour ceux qu'ils ont pris comme égaux, pour ceux qu'ils ont pris comme égaux à Allah, un amour équivalent à celui qu'ils éprouvent pour Allah. Donc là, c'est l'explication du verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Puis il dit, le cheikh, ceci prouve qu'ils aiment donc grandement Allah. Car le verset, il dit, ils les aiment comme on aime Allah. Ou bien ils les aiment comme l'amour qu'ils portent à Allah. Donc ces gens, ils aiment Allah. Mais ils aiment
ces divinités, ces égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah autant qu'ils aiment Allah. Et ceci a fait d'eux des mushrikin. Car Allah a dit à la fin du verset, « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » Et ils ne sortiront jamais du feu. C'est-à-dire, ils sont mécréants. Donc, il dit le cheikh, ceci prouve qu'ils aiment donc grandement Allah. Mais cela ne les a pas rendus musulmans pour autant. Que pensez-vous alors de ceux qui aiment les égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah plus qu'ils n'aiment Allah? Et que pensez alors de ceux qui n'aiment que leurs égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ici le cheikh montre aussi un type d'adoration, un type d'acte qui est contraire au tawhid, qui est l'amour. On parle de l'amour qui est un acte d'adoration, non pas l'amour naturel. L'amour naturel des choses qui n'est pas une adoration en soi. On parle de l'amour qui est une adoration qui arrive au degré d'aimer autant qu'on aime Allah. Ou plus qu'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plus qu'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés et c'est à Allah qu'incombe de le juger. Le cheikh dit, ceci est un des éléments les plus importants qui explique le sens de l'attestation « La ilaha illallah ». Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas stipulé que le seul fait de prononcer cette parole rendait sacré le sang et les biens, ni même le fait d'en connaître le sens et de la prononcer, ni même le fait de reconnaître la véracité de cette parole, ni même le fait d'invoquer Allah seul sans aucun associé, mais plutôt le bien et le sang deviennent sacrés à partir du moment où l'on ajoute à tout ce qui précède le fait de renier et de mécroire ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allahu Akbar. Il dit, rahimahullah, par contre, s'il doute ou il s'abstient de mécroire et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ils ne sont plus sacrés. C'est-à-dire qu'il ne sera pas musulman. Celui qui doute de la mécréance des mécréants ou qui s'abstient de juger de leur mécréance ou de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors il ne sera pas musulman. Car il n'aura pas pratiqué ce hadith. Il n'aura pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il n'aura pas appliqué la ilaha illallah. Et il n'aura pas appliqué le kufru bit tarut. Et il n'aura pas appliqué la parole d'Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Puis le cheikh dit, quelle grande et importante question. Quelle est claire cette explication. Et quel argument irréfutable adressé aux contestataires. Et quel argument irréfutable adressé aux contestataires. Donc ici, le cheikh se concentre sur le dernier hadith, sur le seul hadith d'ailleurs qu'il a cité dans ce chapitre. Le fait de lier l'attestation de foi au fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ceci comprend le fait de renier toutes les croyances, toutes les pratiques contradictoires à la foi islamique. Et le fait de croire en la mécréance de ce qu'Allah a jugé mécréant. Et le fait de s'allier et de se désavouer, de secourir et de prendre à partie pour Allah. Comme il est venu dans le hadith sahih, l'anse la plus solide de l'islam, c'est le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de s'allier pour Allah ou de prendre à partie pour Allah. Pour Allah. Donc l'importance de connaître toutes les croyances et les actes qui sont du kufr et de juger mécréant tout ce qu'Allah a jugé mécréant. Toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les croyances, toutes les pratiques jugées par Allah et son prophète comme de la mécréance majeure, on les jugera comme telles. On les jugera comme telles et on jugera leurs partisans comme telles sans en douter. Sans en douter, nullement. Donc les prochains chapitres, Inch'Allah, ils expliqueront les détails de tout ce qui contredit le tawhid et qui fait partie des choses que l'on doit renier, puis de tous les autres points qu'on a cités au début du cours. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله